les gars. Quoi Cameroun? Quoi Cameroun? Qu'est-ce qu'il a? You think they are wise? You are a mumu man. Man, they never leave you. Aleti Baraka, Aleti Baraka, Aleti Baraka. Jamal, bonsoir. Hard luck pour nous tous. C'était pas écrit qu'on passe en Coupe du Monde. Les 4 buts des matchs aller et retour sont marqués sur des balles arrêtées. Les joueurs se sont donnés à fond après cette Coupe d'Afrique catastrophique. Ça se voit. Jamal, on a perdu notre qualification défensivement ou offensivement. Parce que le problème en Coupe d'Afrique, c'était le problème offensif. Non, c'était un équilibre. Aujourd'hui, il y a un vrai équilibre. On a une équipe du Cameroun en face de nous. Qui est une équipe solide, forte, vous connaissez l'histoire contre les deux nations, qui sort d'une canne. Bon, ils auraient pu mieux faire, ils auraient pu aller plus loin, gagner peut-être, c'était à domicile, c'était l'objectif, mais c'est une équipe solide. On ira au Qatar avec une autre mentalité. Si les autres peuvent gagner, pourquoi pas nous? On change notre façon d'aller dans les coups du monde. On la change. C'est d'abord la mentalité, mais ça commence maintenant, chérie. Commencez à anticiper votre coupe du monde. Anticipez votre coupe du monde mentalement. On n'ira pas au Qatar en balade. Ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est énorme. Mais ce que vous allez faire en novembre, décembre, au Qatar, sera beaucoup plus grand. Nos aînés, nos parents nous ont montré le chemin. Mais jusqu'à preuve de contraire, on n'a que joué le quart de finale. Vous pouvez. Ceux qui seront en face de vous au Qatar jouent dans les mêmes clubs que vous. Ils jouent dans les mêmes clubs que vous. Et ils ne sont pas meilleurs que vous. On sera humble. Les gars, on va écrire une histoire. Croyez-moi, on va écrire une histoire.